Bon allez les amis, je vais vous passer un petit quartet juste après. Vous savez pourquoi je rigole les gars? Parce que j'ai fait une grosse connerie avant. Bah j'avoue c'est comique hein, parce que... Attends, je vais juste regarder vite fait. Juste, je remets vite fait le leggings à l'enceinte parce qu'en fait il y avait un sens. Et je me suis bien fait avoir, tu vois. Là il est droit, et tout à l'heure j'avais pas mes droits, j'avais foutu à l'envers. Oh là 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 là. Non mais je dis ça parce que je sais que vous allez me tacler dans les commentaires, juste dans la vidéo d'avant. C'est sûr et certain, vous n'allez pas me louper. Donc là, tu vois, je préfère rectifier le tir en disant que tellement j'étais emballé dans la vidéo d'avant que j'avais foutu le truc comme ça et pour moi, ça, c'était normal, tu vois. Mais non, ça va pas en fait. Ah, les conneries. Ah, des fois, je te jure, j'en loupe pas. J'en loupe pas. Mais bon. Hein, et je vous la laisse, la vidéo d'avant. Je vais pas vous l'enlever, vous inquiétez pas. Bon, je vous passe le petit quartet histoire de finir en beauté, en toute tranquillité. Et, vous allez voir, ça passe bien. Allez, c'est parti. Epson, quand tu sonnes, mon cœur sonne. Voilà. Bah écoute, c'était super sympa. J'ai vraiment kiffé les gars, vous faire les vidéos. Franchement, c'était un gros plaisir. Gros plaisir. J'espère que c'était partagé. Et puis bah, de toute façon, je pense qu'après, après de toute façon, on essaiera de faire des comparatifs avec les enceintes. N'hésitez pas à me suggérer les enceintes contre lesquelles vous voudriez les voir s'affronter.
Voilà, pour le plaisir. Pour le plaisir. Et t'as les Kev Q900, j'ai les Dinodio Audience 80 qui sont là-bas. Dinodio Audience, attention, par contre, c'est du lourd, hein. J'ai plusieurs modèles en plus. Avec des 20 cm, j'en ai plusieurs. J'ai les JBL Studio 590, mais elles, c'est avec une compression. Donc, je sais pas si on peut, tu vois, les comparer avec des enceintes avec des compressions. Ça fait un peu penser avec l'équipe sur F7 MK3. Bon, la comparaison, elle est pas jouable. Parce que sur l'autre, la F7 MK3, t'as 2,25. Et il serait plus judicieux de les comparer, du coup, avec les Prestige 34F. Enfin, ça me paraît plus loyal, tu vois, normal. Et puis voilà. Bah, en tout cas, faites-moi des suggestions de comparatifs qui vous diraient. C'est avec plaisir. Je lirai vos commentaires et voilà. Et par ailleurs, même pour les commentaires, alors je suis désolé parce qu'il y a des fois, il y a des commentaires que je n'ai pas en notification. Je ne comprends pas pourquoi sur ma chaîne YouTube. Il y a des commentaires que je vais voir, je sais pas, 8 mois après, 6 mois après. En fait, parce que tu vois, alors je vais avoir une notification sur une vidéo. Et je vais cliquer sur cette notification, je vais aller voir le commentaire qu'on m'a laissé pour y répondre. Sauf que je vais regarder la vidéo et en fait, il y a plein, plein, plein de commentaires qui va y avoir et que j'ai pas eu les notifications, donc je les ai pas vus. Alors les gens, ils vont dire, ouais, mais Nico, t'as pas répondu ou quoi? Alors que non, en fait, pas du tout. Je me tue justement à la tâche à répondre au maximum de personnes possible. Dès que je peux répondre aux commentaires, je le fais avec grand plaisir. Mais du coup, voilà, malheureusement, il y a des notifications que je n'ai pas. Donc voilà, les gars. Donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très très belle soirée. T'as vu là, on approche bientôt de l'automne. Hein. Ça y est, on est le 20 octobre. 20 octobre, ça y est, ça commence à... Les feuilles tombent, ouais. On s'en fout en même temps, tu me diras. Les feuilles tombent. Mais du moment que les oreilles sont toujours là, elles sont toujours en l'air, c'est le principal. Faut pas qu'elles tombent comme des choux-fleurs, tu vois. Aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie de... Je suis d'humeur joviale aujourd'hui, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de... Tu vois, de faire un peu le con, tu vois, ça fait du bien aussi un peu de, tu vois, d'éviter d'être trop sérieux. Parce que moi, dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui suit. J'aime bien rigoler, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être sérieux, il y a un temps pour rigoler. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour tout, en fait. Et c'est ça qu'il faut toujours garder, tu vois, bien, bien égalisé. Une égalisation parfaite. Voilà, les gars. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai. Je vous le dirai plus tard, mais. J'ai deux égaliseurs à la maison et un de ces quatre, je vous ferai des vidéos avec les égaliseurs en faisant une petite égalisation. Alors moi, tu sais très bien que je n'aime pas utiliser ça parce que c'est pas du tout dans mon concept. J'aime bien que ce soit neutre, l'écoute soit neutre, normal. Mais pour plusieurs personnes, il y en a qui aiment bien utiliser l'égaliseur. Donc pourquoi pas, j'essaierai de faire des petites écoutes avec une égalisation faite par mes soins. Voilà les gars, allez, cette fois-ci je vous laisse et je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous, à très vite, likez, abonnez-vous, je cesserai de vous le dire parce que c'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais voilà, abonnez-vous si vous aimez bien le concept et voilà, parce que c'est vrai que je suis le seul à faire ça en France, à vous proposer un contenu j'essaye d'être varié tout en essayant de vous apporter le maximum de choses possibles, mon amour déjà. Pour la Hi-Fi et puis aussi des conseils aussi divers que ce soit-il. Ce n'est pas forcément les conseils les meilleurs qui soient, enfin je sais pas, hein, moi tu vois je me mets pas sur un piédestal en termes de Wi-Fi en tant que connaisseur ou quoi, mais dans tous les cas je vous transmets les choses avec amour et passion, et pour moi c'est ce qui compte avant tout. Et quand on me dit, ouais Nico, j'ai acheté telle enceinte grâce à tes vidéos et que ça m'a plu tout ça, et les enceintes ils les ont chez eux et du coup ils en sont contents du résultat, et ben moi franchement c'est top, c'est une fierté, une fierté personnelle de se dire, bon, j'ai, tu vois, j'ai fait quelque chose de bien pour les autres. Tu me diras, c'est souvent que je veux donner le maximum aux gens, mais voilà, ça me fait plaisir. Bon, allez, les gars, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao, bambino, bambino. Oh, oh.